Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Chouibot et aujourd'hui nouvelle petite vidéo sur un accessoire. Aujourd'hui je vais vous présenter un guidon en carbone, le EC90. C'est parti. Donc le voici, voilà, emballé avec un petit plastique de protection, c'est nickel. Donc voici comment il se présente. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on a les specs qui sont écrits juste ici. Donc il fait 680 mm de largeur, soit 68 cm. On est sur une largeur de tige de guidon de 31,8 mm. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le diamètre de cette partie-là, la partie centrale. Là où vous allez donc devoir attacher votre fixation de potence. Donc voilà, ça va se régler facilement avec n'importe quelle fixation de potence. Et ça peut s'installer sur, a priori, toutes les trottinettes, sauf sur les monoblocs, tels que les Segway, Ninebot, Inoue, voilà. Là, on va plus être sur du modèle de fixation sur une dual tronc, par exemple. Il est en aluminium et en carbone. C'est pour ça qu'il est quand même vraiment, vraiment léger. Ouais, franchement, il est vraiment léger. Il pèse vraiment moins de 100 grammes, même moins de 50, je dirais, entre 50 et 100. Vraiment, c'est très, très approximatif. J'ai pas le poids en tête, malheureusement. Mais c'est vraiment léger comme guidon. Et pour sûr, ça allégera votre engin. Et vous irez sans doute bien plus vite avec un guidon comme ça. Les petits détails en plus en rouge et en blanc sont sympas. Voilà, c'est une belle couleur qui matche toujours super bien ensemble. C'est cool. Et on a cette partie-là donc de fixation de potence ainsi que de fixation des poignées qui est un peu grippée, qui est pas totalement lisse comme l'aluminium. C'est un peu grippé, c'est sympa ça aussi. Petit détail sympa. Et évidemment, ça va être très facile à installer. Il va falloir en complément faire l'acquisition d'une fixation de guidon et de potence, comme celle qu'on vous a présentée récemment d'ailleurs, multicolore, et pour pouvoir fixer ça à votre trottinette, sinon ça ne servira à rien. Et puis on a de la place pour tout ce qui est d'ajouter des petits commodos en plus, un petit support pour smartphone, bref, c'est super cool. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, pas grand chose à dire, mais un guidon bien sympa à présenter. Voilà, nous ça nous fait plaisir de vous présenter des petites pièces comme ça, j'espère que vous kiffez aussi. C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, et on se retrouvera pour une prochaine. Allez, salut.